Donc là, on est à l'arrêt de bus. Puis là, ils ont essayé de nous faire payer pour retourner alors qu'ils sont dans l'erreur. Fait que là, j'étais comme, pardon, mais pourquoi payer? J'étais comme, mais parce que vous nous avez dit que vous voulez venir à Enidou, puis là, vous voulez aller à Tété. Non. Là, je leur ai montré mon courriel de confirmation, puis hier, ils m'ont dit qu'elle allait me débarquer pour gratuit. Fait que je vais pas payer. Puis là, il est comme, oui, mais maman, là, ils se sont avec moi. Puis j'étais comme, hier, vous nous avez dit qu'on n'allait pas payer. Sinon, on aurait genre trouvé quelque chose d'autre à faire, tu sais. Fait que là, il est comme, ok, parfait, maman. Puis là, mon pseudonyme, on part. S'acheter des petits snacks parce qu'on n'a pas déjeuné. Là, on revient. Puis, il est comme, madame, venez ici. Là, il est comme, là, il va falloir que vous appelez votre agence. Là, je suis comme, quelle agence? Là, il est comme, ben, ton agence, faut que tu les appelles. Je suis comme, j'ai pas d'agence. T'as pas le numéro de téléphone de ton agence? Je suis comme, j'en ai pas. Il est comme, ok, mais là, on a un problème. Là, je suis comme, problème de quoi, man? Là, il y a genre quelqu'un qui l'a appelé. Pendant qu'il était au téléphone, il est comme « Ah, oh, ok, c'est all good », il fait un gros sourire pour un thumbs up. J'étais comme « Qu'est-ce que c'est ça, genre? » Donc, on est arrivé finalement à Tai Tai. Je disais tout le temps, c'est Tété ou Tai Tai. Mais regarde, le gars, il disait Tai Tai, mais là, fait je dis tout le temps un enfant différent à chaque fois. En tout cas. Fait qu'en tout cas, on est dans notre petite cabane. J'ai été prendre une douche parce que ça faisait genre 3 jours qu'on n'avait pas pris de douche. Parce qu'on a passé genre 2 jours à l'aéroport. Puis hier, notre hôtel, c'était genre du moisi partout. Là. Fait que genre, on s'est juste couché, puis on s'est réveillé, puis on est parti. Mais là, ici, genre, on est vraiment plus dépaysé, pour être honnête. En Thaïlande. Sylvania, elle trouve que ça ressemble vraiment beaucoup. J'ai été au Guatemala, puis ça ressemble vraiment beaucoup les conditions de vie et tout à là-bas. Puis, genre, même dans les hôtels et tout, là, comme. C'est dépaysant. Juste prendre ma douche, là, j'étais comme, ok. On est au Philippines. Genre, checker ça, ok. Donc, vous voyez, il y a la douche ici. Mais le jet d'eau, il est vraiment, mais vraiment pas fort. Fait que. Puis, des fois, l'eau, elle fait juste arrêter. Fait qu'il faut que tu accumules de l'eau là-dedans. Puis, tu commences à te laver avec la petite douche. Puis là, quand l'eau, elle coupe, tu prends le petit truc comme ça. Tu prends l'eau qui est dans le seau, puis tu pinces avec ça. Puis, il n'y a pas d'eau chaude non plus, là. C'est genre l'eau froide. C'est très froid. Ça va faire du bien pendant les journées chaudes. Mais là, j'avais pas chaud. Donc, je pense même que je fais de la pierre. Puis, justement, dans cette douche. On est en train de prendre une petite marche. On va essayer de trouver de quoi manger pour dîner. Puis c'est cool, c'est tellement fun. Hein? On est vraiment comme dans une place locale. Ouais, comme littéralement, on se fait regarder, genre. Parce que tout le monde nous regarde. Tout le monde est comme. Tout le monde nous regarde. Qu'est-ce qu'ils font ici, genre? Fait que. Ouais. Puis tu sais, c'est tellement pas cher. Genre, on a trouvé une bakery, là. Il y a des beignes. Ça a l'air tellement bon, moi c'est clair, j'aime pas mieux. C'est 3 pesos. C'est 3 pesos, mais on s'entend que 40 pesos, c'est 1 $ canadien. Fait que c'est n'importe quoi, là. Have you ever been in love? So deep there's no way out. I wish I could explain your eyes. How the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you, I feel so complete. So complete. You are the light when there is no sun. It's popsicle time. C'est vraiment malaisant ici parce que tout le monde nous dévisage tout le temps. Genre, il y a des enfants qui passent puis ils nous dévisagent. Ce que je peux comprendre. Mais il y a aussi des adultes qui passent puis ils nous dévisagent aussi. J'ai décidé d'écouter des anciennes vidéos que j'ai faites, que ce soit genre quand j'ai été au New York Fashion Week ou genre quand j'ai fêté mes 17 ans et tout. Parce que je fais tout le temps genre des petits vlogs, genre souvenirs. Là, je suis en train de les réécouter puis.
suis dans mes feels, là. Je suis dans mes feels. Vous me manquez trop, la gang. C'était trouver deux restaurants tantôt, qui, c'est un peu plus cher. C'est des restaurants assis qu'on se fait servir et tout. Fait que là, on s'en allait souper là-bas. Mais tout ce qu'on veut, il y en a pas. Genre, on peut avoir des commandes à nous, je fais, il n'y a pas de pain. Okay. Dans le premier resto, il est comme, oh non, genre, on tient pendant comme 5 minutes le menu. Là, on s'approche pour commander. Tu... Oh non, finalement, genre, excusez-moi, je ne peux pas prendre de commande. Là, je suis comme, ok, mais pourquoi tu nous as regardé pendant 5 minutes? Fait que là, on va dans notre resto. On dit, ok, faut pas avancer. Non, on n'a pas de pain. Ok, mais laissez faire. Je vais aller me chercher des beignes. J'ai compris. On est finalement allé à notre petit stand, puis on s'est pris un cheeseburger. Voilà. Puis on s'est pris aussi des pâtisseries, là. On en a tellement pris. Genre, j'étais comme, ok, maman, on peut savoir 4 de ça, 2 de ça, 1 de ça, 1 de ça. Puis j'étais comme, puis demain matin, vous ouvrez à quelle heure? Puis j'étais comme, à 5h30. Parfait! Parfait! Je vous ai rapproché la femme beaucoup plus passé pour dormir. Parce que c'était tellement chaud. Daniel, il a tellement pissé sur ses couvertures. Fini! Fait que dans le fond, la nuit passée, il s'est passé des trucs. Okay, on sait pas trop c'est quoi l'explication de tout ça, mais en tout cas, c'est ça. Dans le fond, hier soir, Selena s'est couchée un peu avant moi, puis bref, j'ai fait mes trucs, je me suis couchée, puis à un moment donné, j'entendais qu'ils ont du bruit comme si Selena marchait dans la chambre. Fait que j'ai pris mon téléphone, mais comme pas la spotlight, juste comme avec la lumière du téléphone, j'ai genre essayé d'éclairer la chambre pour voir si elle était debout, mais j'ai vu personne. Et genre, j'ai pas vu personne, j'ai vu personne genre ni dans son lit, j'ai pas remarqué qu'elle était là, mais j'ai pas remarqué non plus qu'elle était debout. J'ai juste fait genre, je me suis pas posé plus de questions, j'ai fait comme. Mais. Moi, je veux savoir que je me suis pas levée cette nuit, ok? Je ne me suis pas levée une petite fois. Mm-hmm. Puis là, genre, moi, pendant la nuit, ok, je me suis réveillée une année pendant genre quelques. Genre, pendant vraiment pas longtemps, pendant une couple de minutes, là. Je me suis retournée, puis genre, Megan était debout, à côté de son sac, genre, ça c'était en bas. Enfin, genre, par terre. Là, j'étais comme. Ok, en weird. Là, je me suis juste comme retournée. Pas longtemps après, je me suis retournée encore, puis elle était encore debout là, puis j'étais genre, merde, qu'est-ce qu'elle fait? Puis je me suis juste comme rendormie, puis ça a fini là, genre. Mais faut savoir que j'ai aucun souvenir de m'être levée, là. Je me suis pas réveillée, puis faire comme, je vais aller faire non, je sais pas quoi, là. Je me suis pas levée. Genre, je me rappelle pas de m'être levée. C'est soit que j'ai été somnambule, soit que c'était pas moi, puis que c'était pas toi non plus qui s'est levée. Puis là, ça fait peur. Fait que là, on est genre. On sait pas ce qui s'est passé, là. Mais c'est un matin. On a pas d'explication. Un matin, je m'avais concentrée, puis je lui demande, hey, qu'est-ce que tu faisais debout cette nuit? Puis t'es comme, ah, j'étais pas debout. C'est genre, ta gueule, c'est toi qui étais debout. Et comme, mais non, c'était pas moi. Puis t'es comme, what? Qu'est-ce qui vient de se passer? À la station de bus, puis comme tout le monde était autour de nous, puis faisait juste nous fixer, puis genre nous parler, genre t'es quel âge, non, genre qu'est-ce où tu t'en vas, tu veux t'embarquer avec moi, puis tout, on est comme de même. Genre, c'est pas quoi faire. Puis là, moi, genre, le chauffeur du tricycle, lui, était comme, il était vraiment en train de se bus. Ouais, c'est ça. Une chance qu'on avait vu. On vient d'arriver à El Nido et là il faut monter tout ça pour aller à notre hébergement. Là, c'est tellement à pic! Il est présentement à peu près genre 4h et quelque chose. Puis on a. On est rentré dans une petite cabane. Le petit monsieur il est venu nous parler. Demain matin, il va venir nous porter des pancakes à 8h. Puis en tout cas, il nous a tout expliqué tout ça, de ne pas laisser des trucs sur la galerie parce que les singes, il y en a des centaines ici et ils vont nous les voler. Puis, je me sentais pas tellement bien. Fait que j'ai juste fait une petite sieste de 1h. Puis là, on est ready à aller se trouver de quoi à fucking manger parce qu'on n'a pas de dîner. Fait que on va faire.
cabane jaune, ici, ben c'est notre cabane à nous. Puis elle donne sur cette vue. C'est insane. Okay, on prend ça relax ce soir encore. On est en vacances. Hein? fait que, ouais. Dans le fond, là, on a fait du montage, chacun de notre côté. Je mange des biscuits. Je vis ma best life, quoi! Here we go again. On est encore au truc de crème glacée. On va se prendre un truc au brownie. Ça a l'air tellement bon. Bon matin, la gang. Là, on est en train de descendre les marches pour aller au meeting point, rejoindre notre guide parce qu'on s'est réservé un tour guidé. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm snorkeling ready. Keep holding on, keep holding on. And I'll be right there, close to the sun. Close to the sun. Oh my god. Okay. Viens, tu vas faire une chose. Donc, on est genre sur la petite plage en train de manger. Puis là, après avoir mangé, il y a un monsieur qui fait juste genre dire crème glacée, crème glacée, crème glacée. Là, moi, je le regarde pas parce que je sais qu'il va essayer de me vendre son truc si je le regarde. Mais il continue de me fixer, mais genre, il dit pas à personne d'autre. On dirait que j'attire en crème glacée. Puis là, il est juste, il continue de me fixer, puis là, je le regarde. Puis je commence, genre, laisse-moi y penser. Regarde-moi, c'est 1,56. Ah, ok, là, on en prend une. C'est genre. Cooking cream, magnum cooking cream. Il nous dit, on est comme, ok, c'est combien? Il dit 150. Mais, genre, c'est vraiment cher, là. C'est un repas complet, là. Il la regarde ta crème glacée, là. Oh! Oui! Donc, c'est devenu un mec, peut-être. C'est con. Il est con. On a payé 150 pour une crème glacée parce qu'on est trop gêné de dire non. C'est notre argent, on n'a pas de dire non. On est trop gêné. C'est ridicule. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on fucking arrête. Je suis tannée. Ok, Megan, on arrête de faire ça. T'en veux pas, on dit non. Il y a un petit monsieur qui est venu nous rejoindre notre bateau en kayak. Puis il est comme. Crème glacée, madame? Non, merci. J'en ai ma claque de la crème glacée à 150, ok? On s'en veut vraiment, ça, comme ça, surtout avec la livraison en plein milieu de l'océan. À notre cabine pour avoir ça redescendre vers comme 6 heures pour manger. Close to the sun.
ma toux ce matin, là, elle sonne hyper mieux, genre. C'est comme juste une petite... Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, notre déjeuner de ce matin, c'est un yogourt au mangue. Je vais goûter ça. C'est un yogourt grec au mangue, une banane avec des fucking brownies. Les brownies ont l'air tellement bons, là. Juste à la senteur, je suis comme... Donc, c'est un départ. On a descendu toutes les marches avec nos immenses sacs. Puis là, ben, on s'en va regarder pour se trouver quelque chose à manger pour dîner. Donc là, on se prend une crêpe pour dîner. Crêpe aux bananes et Nutella. Il fait tellement, mais tellement chaud, là. C'est genre mouvant. On a marché, là, genre 5 minutes. Puis que... Je suis plus capable de jouer. En vrai, je vais m'évanouir, ça va être chaud. Notre crêpe qu'on mange avec cette vue. C'est pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est une boîte de sucre, un petit char, je sais pas. Mais. C'est off. Je fais une petite sieste, on a genre 5 heures de retard à faire. Fait qu'on remet un peu. Puis on va reculer. Fait que je pense que ça va. Quand t'arrives dans une halle, t'as pas de poussière, pis Megan, elle se sent vraiment pas bien. Mais elle pense qu'elle va être malade souvent, là, fait que ça fait un peu peur. Mais bon, il reste encore quand même, je pense, 3 heures de route. C'est juste comme 2 heures qu'on est là, pour vrai, ça va être tough. Là. On va essayer de trouver une place plus en avant, mais ça va être tough. Grosse journée, je sais pas ce qui se passe là. J'ai l'impression que c'est peut-être le yogourt. Je suis sûre que c'est le yogourt. C'est le même, c'est quand t'avais mangé l'autre yogourt. Ouais, j'ai mangé 2 yogourts dans tout le voyage. Moi aussi, puis... je sais pas, tu sais, je veux dire, après l'avoir ouais. mangé, j'étais à l'hôtel genre trop folle. Fait que je suis sûre que c'est un yogourt. Ouais. Pourtant, tu sais, j'ai vérifié, il était pasteurisé. J'ai vérifié la date avant de manger parce que justement, avant de manger, j'ai dit, j'ai un peu peur de le manger parce que. La dernière fois que j'en ai mangé, j'étais malade. Puis là, ben, ça prouve juste que... C'est Daniel, elle était super malade quand elle avait bu genre une gorgée de lait. Ouais, j'avais bu une gorgée de lait, puis... Ouais. Puis là, on mange du yogourt, puis... Ça le fait pas non plus, fait que... Plus jamais.